Bien, bonjour à tous, c'est Matt Solidsnake 44 et aujourd'hui on se retrouve sur les côtes de Schwarzrust pour un 21e, je crois, épisode de l'Odyssée Dragon Quest 11. Alors, qu'est-ce qu'on revient faire dans cette région, vous allez me dire? Et bah tout simplement... Alors depuis le dernier épisode, j'ai pas mal farmé, hein, de mon côté, j'ai fait du level up, j'ai combattu des mobs, j'ai cherché des cibles, j'ai ouvert des portes rouges grâce à la clé qu'on a récupérée auprès de la sorcière, auprès de Kiara, dans Phnom Men. Bon, je vous montrerai pas tout ça parce que j'ai rien capturé, hein, mais j'ai passé plusieurs bonnes heures à farmer, on va dire. En fait, les portes rouges, bah, de toute façon, vous en verrez sûrement d'autres plus tard dans le jeu, hein. C'est des caches au trésor, et elles renferment plein d'items très rares, voire uniques. Voilà, comme le katana que vous pouvez voir dans mon dos, qui est une clé mort, mais en forme de katana japonais à deux mains. Voilà. Et donc, on revient ici, tout simplement, parce que...
D'après ce que m'a dit Véronica, et d'après ce qu'a dit, ou c'est Jade et Théo, je ne sais plus, il y aurait ici, comment dire, quelque chose, je ne sais pas si vous vous souvenez des ruines qu'on voit en face de nous là, et il y avait un espèce de donjon auquel on ne pouvait pas accéder, et je crois qu'en fait il nous fallait la clé de la sorcière pour pouvoir y accéder, donc je reviens ici pour ça. Et d'après ce que je sais, parce que je suis venu jusqu'à la lisière ici, vous allez voir, le rameau va se mettre à briller. Voilà, ce qui veut dire que l'un des orbes se trouve sûrement dans ce tombeau. Voilà, donc encore un orbe que l'on va trouver en dehors de toute quête narrative. Je trouve ça assez bizarre, ce qui veut dire qu'une fois qu'on aura chopé celui-là, là on va se faire un donjon d'entrée de jeu dans cet épisode. Et après ça, alors il faut que je retrouve l'entrée, hein, je sais plus exactement où c'est, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il fout là, lui, déjà? Merde. J'ai cru que j'allais agresser le mec, il a tiré sur le monstre. Je voulais parler au mec avec le costume. Il est pas content, le griffon. Lâche-moi, merde. Voilà, c'est bon. Je voulais parler au bonhomme. Je suis venu à Sword Rock parce que j'avais entendu dire qu'un trésor légendaire était caché dans les ruines. Ouais, bah on va y aller. Mais j'ai eu beau retourner les moindres cailloux de ce château, je n'ai rien trouvé, rien de rien. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller tenter ta chance à Octogonia pour les tournois d'arts martiaux. Ok. Là, elle est là, l'entrée. Je snob les monstres parce qu'on s'en fout. Hein. Et donc oui, on pouvait pas ouvrir ce passage avant et maintenant on va pouvoir. Ah bah attendez, c'est pas ce passage là, c'est l'autre. Bah c'est pas grave, mais on tombe sur une porte rouge. Et très bien, comme ça d'entrée de jeu, vous allez pouvoir en voir une. Il doit y avoir une cache au trésor, vous voyez, c'est un cul-de-sac. Donc voilà, il doit y avoir plusieurs trucs. Il y a des coffres, mais il y a peut-être... Il y a même trois coffres, et il y a... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un objet doré, c'est un objet de quête normalement, les objets dorés. Ismaël trouve un tour de cou. Ou alors c'est un objet très rare. Alors attendez, on va aller voir dans le sac d'équipement. La couleur est peut-être en rapport avec le... Comment dire, la rareté du stuff, je ne sais pas. Le petit scintillement doré, c'est peut-être en rapport avec la rareté du stuff. Bah je l'ai pas vu, il devrait être à la fin, non? Je suis au bon endroit au moins, sac d'objets importants peut-être? Ah oui, c'est ça, c'est quoi, tour de cou? Accessoire sinistre et peu engageant que l'on aurait découvert au plus profond d'une vallée rocheuse. Ah, alors ça doit être un item de quête. On va bientôt savoir, je pense, à quoi ça sert. Sans doute. Alors, normalement, il n'y a pas de monstres dans les coffres qui sont ici. Voilà, ça c'est un item de craft relativement rare. Non mais vous rigolez, l'orbe il était dans la cachette, mort de rire. Mais alors, qu'est-ce qui se cache dans le tombeau qui est juste à côté? Non mais ça devient de plus en plus n'importe quoi là. On a trouvé, je suis rendu à 5 minutes de vidéo, on a trouvé l'orbe. Bon bah écoutez, c'était un super épisode, on se retrouve bientôt dans l'épisode 22, il nous reste plus qu'un orbe à trouver, voilà. Non mais lol. Youhou mon chou, on a réussi, on a l'orbe violet, il n'est pas abîmé en plus. Si on continue comme ça, on les aura tous en un rien de temps. Bah je te le fais pas dire. Non mais là, ça fait quelques épisodes quand même que ça tourne au... Le dernier épisode avec la sorcière était sympa. Mais putain, l'orbre argenté qu'on trouve dans le nid du vautour, l'orbre violet qu'on trouve dans un coffre secret... C'est un peu... Des habits de prince et de princesse, d'accord. Regardez ça, c'est sûrement pour Jade et pour Ismaël. C'est un peu du n'importe quoi, là. Il n'y a aucun défi, rien du tout. J'ai la clé, donc maintenant je peux obtenir un orbe gratuitement comme ça. Alors, on pouvait pas l'avoir avant, d'accord, mais quand on n'avait pas la clé... Mais je trouve qu'ils auraient dû mettre autre chose entre la sorcière et comment dire, l'obtention de cet autre orbe. Parce que là, ça y est, quoi, on a la clé, alors il faut qu'on fasse quoi maintenant? Il est où le dernier orbe? Il y a des endroits sur la carte que j'ai pas encore visité. Hein. Parce qu'il me semble qu'on a les 4 là. Enfin, on a les 5 premiers. On a l'orbe rouge qu'on a trouvé dans le tertre du roi. On a l'orbre jaune qui était la récompense, le deuxième prix du tournoi d'arts martiaux qui a été gagné par Théo et Jade. On a l'orbre vert que nous a donné la reine des sirènes de la cité de Nautica. On a l'orbre argenté qu'on a récupéré dans le nid du vautour. Ça fait 4. Et on a l'orbe violet qu'on vient de trouver dans un coffre.
Il nous en reste, c'est bien ça, il nous en reste que 5. Et il n'y a que les deux premiers où on a eu... Enfin, les deux premiers, on nous les a... On les a plus ou moins donnés dès le départ, mais bon, il y avait eu l'histoire du tertre, il y avait eu l'histoire du tournoi d'arts martiaux, donc bon, soit. L'orbre vert, on est allé dans la cité, mais des sirènes, on nous l'a donné gratuitement, il n'y avait rien à faire. L'orbe d'argent, bon, il a fallu qu'on combatte un boss, mais il n'y avait pas d'histoire. L'orbre violet, il suffisait juste de revenir ici avec la clé. J'espère que le scénario va pas tourner court, là, parce que... Remarquez, ça fait déjà 50 heures que je suis sur le jeu, vous me direz. Mais je trouve ça un petit peu... Attendez, à l'autre entrée, elle est là, parfait. Je trouve que là, c'est en train de tourner à la farce, là. Ou alors, c'est que le jeu est bientôt fini. Parce qu'après, on va... une fois qu'on a tout ça, go à l'Yggdrasil. Hein. Alors peut-être qu'après, il nous faudra un certain temps avant d'accéder à l'Yggdrasil, qu'il va y avoir d'autres choses qui vont se mettre en place... Peut-être que même une fois qu'on aura accédé à l'Yggdrasil, il va y avoir plein d'autres choses à faire parce que il faut qu'on trouve le Seigneur des Ténèbres, il faut qu'on le combatte, il y aura sûrement de nouvelles choses à se mettre en branle, d'accord, mais tout ça c'est assez... Enfin pour l'instant là, cette histoire d'orbe, ça avance vachement vite et d'une manière assez étrange. Alors, on peut toujours pas rentrer ici ? À tous les coups non, parce que je pensais que la clé allait nous permettre de rentrer ici, mais vous voyez, il y a des espèces de symboles avec des épées. Et peut-être que ça va faire partie de la suite de la quête principale. Alors on peut toujours pas. Je pensais que c'était là qu'on allait aller avec la quête, avec la clé en fait. Mais pas du tout. C'était juste pour ouvrir la cache avec la porte rouge, qui était juste à côté, dont je ne me rappelais absolument pas en plus. Très bien. Bon, alors écoutez, ce qu'on va faire, c'est que... On va retourner au bateau. Parce que je vois que ça, hein, à faire. Il y a d'autres endroits sur la carte où on n'est pas allé. Mais pour l'instant, c'est vrai que, je pensais qu'on allait avoir un donjon avec un boss ou un truc comme ça, mais même pas, quoi. Merde, lâche-moi. Non, j'ai pas envie de vous combattre, les mecs. Vous m'intéressez pas. Moi, je voulais des nouveaux mobs, un boss. Mais on va retourner au bateau. Et puis, une fois qu'on sera à bord, on essaiera de naviguer vers des terres inconnues. Où on n'est pas allé, pour essayer de trouver où va continuer la quête principale. Ça se trouve, il y a même un curseur rose avec un point d'exclamation sur la carte. On va bien voir. Bien. Ah. Au moment où je vous reprends, on a le droit à un petit combat. Je m'en suis farci pas mal. De toute façon, tous les 100 mètres, vous êtes stoppé par quelque chose. Alors écoutez, comme je ne sais pas du tout de quoi sera rempli cet épisode, vu qu'on a tout de suite trouvé l'orbe, loul, ça change. Hein. Pour une fois, on a trouvé l'item, comment dire, de quête en tout début d'épisode. Voilà, au lieu de le trouver enfin. Qu'est-ce que je voulais vous dire en même temps? Oui, je suis allé voir... J'avais complètement oublié qu'on pouvait aller voir la reine... la reine des sirènes pour avoir une de ses visions. C'est elle qui m'avait aiguillé vers... je crois vers les rivages de Phnom Penh. Et là, elle m'a aiguillé vers un royaume nordique. Donc on va bien se diriger vers les terres de glace, hein, comme je le pensais. Voilà. Ça va nous faire un... Merde, il se soigne. Oh, le bâtard, il m'a jeté sa bouffe à la gueule. On va découvrir donc de nouveaux paysages. On va se débarrasser de ces loutres rapidement, là, parce que... Mais elles sont plus résistantes qu'elles en ont l'air. Aptitude. Je suis pas sûr que les loutres ce soient des bêtes. Je sais pas exactement ce que c'est en fait. Ça
Est-ce que ça va te finir, ça? Merde, ça a raté. Ah, elles font des dégâts, ces connes-là. Ouais, les loutres, elles sont plus balèzes qu'elles en ont l'air pour des ennemis random. Bref, donc je regardais la carte et je me disais, est-ce qu'on peut accéder aux ancres? Parce qu'il y a l'air d'avoir encore un vieil arc de cercle. Est-ce qu'on peut accéder aux ancres là par l'espèce de fjord que je vois là? Ou est-ce que c'est impossible? Parce qu'il y a l'air d'avoir la place de rentrer quand même, hein. Et je pense que je pouvais aussi, je le fais quasiment jamais, mais je pourrais regarder, je pense jamais à ce truc-là, la discussion d'équipe. C'est où déjà? C'est là, ouais, c'était marqué en gros. Je crois que mes acolytes auraient pu me dire où est-ce qu'il fallait que j'aille aussi. Sans doute. Let's have a nice chat, shall we? J'ai vu le symbole de la clé magique à plusieurs endroits, ouais, mais on est allé aux ruines de Swartzrust à l'instant, donc pourquoi tu m'en parles? Vous voyez, ça s'est un peu mal branlé, par exemple. Ils ont pas trop l'air de se les geler, là, sur le pont du bateau. voilà, par contre, voilà, là, il me dit. Et puis, il y a un autre dans un royaume du nom de Sniflheim. Sniflheim, pardon. Tout au nord de cette plage qu'on appelle l'Estron. Si j'en vois d'autres, je dirais que c'est déjà bien pour commencer. Oui, bah, de toute façon, il n'y a plus que celui-là. Donc voilà, la discussion d'équipe m'aurait permis, sans aller à Nautica, peut-être de savoir où aller. J'espère qu'on va pas percuter un iceberg. Alors. Oula. Là, on passe en caméra de dessus, c'est pas moi qui ai orienté comme ça. Y a un ponton qui est juste là. Avec une espèce de ville. Ah bah c'est la ville, bah tiens, on va débarquer dans la ville. Allez hop. On commence par la zone civilisée, puis on verra après s'il faut aller se rendre un peu plus dans les terres. Sûrement, bah, j'aimerais bien quand même que pour le dernier orbe, on ait une quête un petit peu sympa, avec de l'aventure et tout, quoi. Oh la vache. Ah non, le brouillard se... Voilà. Je veux dire, se... Comment dire? Pas se désépaissit, mais se dissipe un petit peu, voilà. C'est le terme que je cherchais. Là, c'est vraiment Skyrim. On a rejoint la ville de... Comment ça s'appelle? Fauriver ou Vendôme, peut-être un petit peu plus. Ah, l'orbe est ici. Eh bah putain, on a un de ces cultes. Ça se trouve, on va le trouver dans un des tonneaux qui sont sur le quai, là. Je le sens bien. À un endroit bien débile. Hein? Bon. Ça a pas l'air d'être la joie, par contre. Tu as traversé l'océan pour voir Sniflheim. C'est ça, je suis désolé, mais j'ai bien peur que tu ne sois venu ici pour rien. Comment ça? Va voir par toi-même. D'accord, sympathique. Et une demoiselle en détresse, là. Tu veux que je te réchauffe, ma mignonne? Je suis venu dans ce royaume pour apprendre les danses locales, mais il fait si froid que je n'arrive plus à bouger. Mmh. Peau de bête magique, il y a une cloche mais qui sert à rien ici, c'est juste du décor. Sniff. Ah d'accord, cinématique, autant pour moi. Here we are, the Crystal Kingdom of Sniflheim, home to the famous Blue Orb. It's a fair wee while since I've visited, but it warms my heart to be back. Non mais il disait au début qu'il savait pas où étaient les orbes, mais à chaque fois qu'on arrive quelque part, j'ai l'impression qu'ils savent que l'orbe va se trouver ici, quoi. C'est... Il se fout de ma gueule ou quoi, le pépé? That must be about the only thing that is warm around here. Let's hurry up and get inside before we all freeze to death. Huh? What's this? What the? The gates are covered in ice. Look, they're frozen shut. Ah bah faut dégivrer. C'est quoi ce bordel? Vous allez me dire que les gens qui vivent là-dedans sont coincés à l'intérieur de la ville et que personne ne peut y rentrer? How strange. Still, I suppose it's only natural they'd ice up in a climate as cold as this. Sur la porte de la ville, tu te fous de moi?
Natural, my foot. What about all the people inside? How are they supposed to live if they can't get in or out of the city? Il y en a au moins une qui réfléchit. Ah, you have a point there, lassie. They've always made sure to keep the main gate free of frost, even in the dead of winter. So, what are we supposed to do? There's an orb in there we need to get to. Well, if we can't go in through the front door, we'll just have to head round the back. Il y a une autre porte. Mais qu'est-ce qu'il nous dit qu'elle est pas gelée, elle aussi? Alors là, je pensais pas que la quête allait consister à trouver comment entrer dans la ville. Loul. Non mais il y a sûrement plus que ça. Vous aurez remarqué aussi que je n'ai plus mon armure drasilienne. C'est pour la simple et bonne raison que... Comment dire? Bah en fait, je me suis trouvé une cuirasse d'argent. Et la cuirasse d'argent plus 1, en fait, j'ai réussi à la forger plus 1. Elle est meilleure que l'armure drasilienne. Donc comme je n'ai plus les deux pièces d'armure drasilienne ensemble, j'ai gardé le casque parce que c'est toujours le meilleur casque que j'ai. Mais comme j'ai plus les deux pièces ensemble, bah, j'ai plus le skill, tout simplement. Voilà. Bon, ça reste l'un des défauts des jeux quand même, que les développeurs se fassent fâcher à faire des skins pour toutes les armures, c'est dommage. Et c'est pas normal que l'armure drasilienne, avec son look super stylé, soit moins bien qu'une autre armure un petit peu plus lambda, quoi. Tu me prends pour un vendeur d'armure? Mon pote, je suis facteur. J'ai une lettre à livrer à Sniflam et les portes sont gelées et je peux pas entrer. Hein, d'après ce que j'ai entendu, il y aurait une porte dérobée, mais j'ai rien vu dans le coin. D'accord, là il y a un passage. Alors attendez. Région de Sniflam. Oui, il va falloir carrément sortir dans la région et... Alors on va d'abord aller de l'autre côté, il y a une porte rouge, ça m'intéresse, il y a un feu de camp, donc on va commencer par aller de l'autre côté pour récupérer éventuellement des choses. Je regarde à tout hasard s'il n'y a pas... Il y a carrément une statue pour sauvegarder. On va faire ça je pense, ce sera toujours ça de prix. Parce que ma dernière sauvegarde elle est pas très loin mais bon... On sait jamais. Puis il y a un truc qui peut arriver sur PS4 au moment où ça vous arrange le moins, c'est le retour au menu. Vieux bug des familles qui fait bien chier. Et comme dans ce jeu-là, quand vous sauvegardez pas manuellement, les sauvegardes automatiques, il y en a quelques-unes, mais faut pas s'y fier. Les portes sont bloquées, mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Oui, bon. Personne n'a rien à raconter d'intéressant. Est-ce qu'on peut accéder à la porte rouge ou est-ce qu'elle est gelée aussi? Non, elle a l'air... Elle, on peut l'ouvrir. Ah bah je suis rentré dans la ville, loul. Ça permettait de rentrer dans la ville. Ah mais là c'est intéressant. Parce que admettons, moi j'ai fait la recherche d'orbes, je l'ai fait dans un sens bien précis. Mais est-ce qu'on peut la faire dans un autre sens? What's going on? The whole city's been turned to ice. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pas eu la clé pour ouvrir cette porte? It's just like what happened to the gates. This doesn't seem natural at all. This may be the Crystal Kingdom, but it shouldn't be frozen solid, cold winter or no. We'd better take a look around. Parce que si j'avais pas eu la clé, je pense qu'à tous les coups, ça m'étonnerait qu'il y aurait... Je pense pas qu'il y aurait eu un autre passage. Oh putain, c'est vrai, mais tout est carrément vraiment gelé, quoi. Mais c'est cool, c'est assez sympa. Ah, surprise, on peut passer par-dessus la barrière. Oui, j'allais dire, je pense à tous les coups, il aurait fallu que bah, je commence par trouver la clé, forcément. Et ça, c'est un peu naze. Donc, heureusement que je fais ça dans l'ordre qu'on nous indique, plus ou moins. Et d'après la reine des sirènes,
comment dire, il y aurait une espèce de reine ici, une reine des neiges qui serait vilaine. Voilà, je pense qu'elle a gelé tout le monde. Ça doit être un truc comme ça, à mon avis. Et puis on va combattre la reine des glaces, quoi. Le crottin, la bouse de vache. Super. À mon avis, de toute façon, on pourra rien faire tant qu'on n'aura pas... Enfin, je veux dire, on pourra pas accéder à des échoppes ou à des trucs comme ça tant qu'on n'aura pas dégelé tout le monde. On peut interagir avec toutes les statues, mais... Vous êtes tout seul ici, mon brave? Ah, attendez. Ah non, c'est une femme. Bah, c'est peut-être la reine en question. Sorry, you gave me a fright. I hadn't expected to see travelers in town. Finally, someone who hasn't been turned into a block of ice. Can you tell us what happened here? Well, it all began 3 months ago. It was a bright, sunny day, just like any other, when suddenly a strange shadow filled the sky. It was a witch. Si c'est celle dont qu'on vient de tuer là, c'est bon. Elle est dead. A witch? My goodness. That sounds like something from a fairy tale. L'autre a dit ça, mais on vient d'en dessouder une à Phnom Penh, quoi. Just so. She chanted an ancient incantation, and just like that. The town was engulfed in a ferocious snowstorm. Ce serait pas elle, la sorcière, elle essaierait pas de nous la faire à l'envers. The wind took my breath clean away, and before I knew it, I had fainted. And when I awoke, all was frozen. Bah oui, ce serait bizarre quand même. I was the only one spare. Ouais, ce serait quand même bizarre que justement ce soit la seule à être épargnée, comme par hasard, à avoir été épargnée. Ça te désigne comme coupable, ma grande. She must be a pretty powerful witch to freeze this whole city with a single spell. I wish I could help, but all this ice is more than my magic can melt. By the way, Missy, that symbol in your shawl, is that not... Oh, forgive me. I haven't introduced myself yet, have I? I am Frisabel, Queen of Sniffleheim. You're the Queen? So, does that mean the old King is... I'm afraid so. My father passed away last year. Oh, I've only been in charge these few months, and just look at my kingdom. Whatever am I going to do? It looks like Sniffleheim's in a bit of a sticky situation. I suppose now isn't a good time to ask about the orb. An orb? What kind of orb? Why, the big blue ball that's been handed down in your family for generations, lassie. The truth be told, we need to borrow it. Oh, of course! You would be welcome to borrow it, but I'm afraid it is locked up tight inside the castle, which is locked up tight inside the ice. Je suis pas fan de ce Kara Dizen quand même avec les lunettes, c'est vraiment le délire des Japonais là avec la reine des glaces qui a un look de secrétaire cochonne, c'est un peu du n'importe quoi, mais bon, c'est les Jap, quoi, faut pas chercher à comprendre. Well, that's just perfect. So if we don't find a way to melt that ice, we'll never get our hands on the orb. Maybe if we got rid of that wicked witch, it might break her spell. I thought just the same thing. Why, only a few days ago, a band of soldiers from a faraway land came here to investigate what was happening. I sent them out to try and find the witch and fight her. But I haven't seen them since. Well, we can't very well leave them out in the cold.
Let's go and give those soldiers a hand and bring Spring back to Sniffleheim, shall we? Bah oui, on n'a pas trop le choix. Oh, thank you, thank you. The Wicked Witch dwells in the Hexwood, a haunted forest far to the north of the Sneerfeld Steppe. Ah bah, il va y avoir de la route à faire. Be very, very wary, for the witch does not live in the woods alone. She keeps a fierce, magical beast to guard against intruders. Aye, we'll be sure to keep an eye out. Thanks for the warning, lassie. Right, come on, boys and girls. Let's head over to the Hexwood. Quelque chose me dit qu'elle nous envoie là-bas en sachant très bien ce qu'on va trouver. Bien, voilà, je vous reprends après une petite coupure. Je me suis arrêté au camp pour farmer un petit peu. Je suis allé voir le marchand. Je vais vous le montrer. On va y retourner vite fait, j'aurais dû capturer un petit peu. Qui avait pas mal de petites nouveautés assez intéressantes. D'ailleurs, j'ai dépensé pas mal de fric. J'ai dû dépenser pas loin de 15 000 ou 20 000 pièces d'or. Mais bon, hey, le fric, ça sert à ça. Parce que jusqu'ici, ça faisait un moment que j'accumulais les pièces et que j'achetais plus rien. Bah là, j'ai acheté plein de trucs. J'ai acheté cette épée longue, un peu bizarre, qui ressemble à... Ça s'appelle le Goupchou. Il y a une espèce de grosse faucille. Qui est un poil plus faible de base que l'épée que j'avais, que le katana que je venais de m'offrir, mais qui maintenant que je l'ai amélioré est meilleur. Ça c'est un peu naze, hein. Les armes qu'on trouve comme ça, qu'on les super, et puis hop, une heure plus tard vous en trouvez de mieux, ça c'est un truc qui m'agace, mais bon. Elle a quand même 12% de chance de paralyser l'ennemi quand je frappe avec. C'est quand même assez important. Il y a de nouvelles armes aussi que j'avais pas vues, et je me suis acheté quelques vêtements qui ont des protections élémentales. Il y a beaucoup de vêtements ici qui proposent des protections contre le froid, contre le feu, et je me disais que c'était peut-être pas une mauvaise idée, qu'on allait peut-être être confronté à des ennemis avec des pouvoirs élémentaux. Voilà, donc j'ai investi un petit peu au cas où, voilà, et puis c'était l'occasion d'investir un petit peu, puisque je vous ai dit, ça faisait un moment que je collectionnais les pièces d'or, là. Donc, je me repose, allez, on va faire jusqu'au crépuscule, mais je crois que ça n'a pas grande incidence, en fait, parce que le temps est tout le temps dégueulasse et on voit pas le soleil. J'avais envie de changer un petit peu, pas tout le temps à l'aube. Puis on va peut-être avoir une forêt ou un truc comme ça de nuit, ce sera peut-être plus impressionnant, je sais pas. Bref... C'est parti, faut qu'on aille trouver le repère de la sorcière. À moins que la sorcière, comme je le pense, ce soit la reine, là, et qu'elle nous ait envoyé dans un piège, et que la reine, en fait, elle soit quelque part ailleurs, prisonnière elle aussi, dans son château, sans doute. Donc, on va sûrement avoir pas mal d'explorations avant d'arriver là où on veut. Il faut qu'on traverse la zone de Snarfelt ou je sais pas quoi. Rendez-vous dans les bois du Snarfelt après Sniffheim pour mettre un terme aux agissements de l'horrible sorcière qui hante la région. Bon. Ça, le repère de la sorcière. Rendez-vous. Ah non, il est à Exegogen. Est-ce que je dis ça bien? Exeskogen, putain. C'est les noms barbares, quoi. Dans le Snarfelt, après Snilfheim, pour mettre un terme aux agissements de la sorcière. Putain, c'est grand ici. La vache. Est-ce qu'on explore ou est-ce qu'on va direct... Alors on explore et je vous fais des coupures. On va quand même pas direct aller à la sorcière. Ah putain, la région d'Arborea, elle est située par là. Arborea, c'est là d'où est originaire
nous sont originaires, comment dire, les filles, les jumelles Véronica et Serena. Mais du coup, comme je sais jamais ce qui est secondaire ou pas, j'aimerais bien aller à Arborea. Je sais pas quoi faire. Est-ce qu'on va à Arborea ou est-ce qu'on va d'abord voir la sorcière? Normalement, on n'a pas de raison à aller à Arborea pour l'instant. Non, non, l'ornithorynque, on te connaît. Et un espèce de... Une espèce de, comment dire, de figure, de dessin, là, indien, là-bas, sur les rochers. Ah, et c'est joli de nuit. Je pense que c'est même plus sympa de nuit, justement. Les couleurs sont très cool. Qu'on se réchauffe. Je vais faire le tour de la bicoque, voilà. Il y avait un coffre caché juste derrière. Alors, qu'est-ce qu'on va forger avec ça? Des blizzrangs. Ah, ça doit être des nouveaux boomerangs. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé des boomerangs. Peut-être des boomerangs qui peuvent geler les ennemis. Et des bâtons de frima. Ce serait peut-être pas mal de trouver un feu de camp, du coup. Plutôt vers Arborea. Pour voir si on peut forger ça. Y'a personne ici? Ah si, y'a quelqu'un. Salut mon brave. Si je sais comment me rendre, hein, tout à fait, une sortie de la cave dirige vers... Ouais, d'accord. Sois très prudent, c'est un endroit extrêmement dangereux. Bon, y'a rien d'autre ici, je suppose qu'on peut dormir. Mais pour l'instant, j'en vois pas vraiment l'utilité. J'hésite. Bon, ouais, c'est vraiment tout droit, tout droit. Ah, attendez, là. Je suis poursuivi par un espèce de spectre. Oh, c'est quoi ce truc-là? Putain. J'ai failli pas l'avoir. Et là, on a une espèce de nouvelle monture. Et un ennemi totalement nouveau. Il y en a un... Deuxième ici. Le spec s'est barré, c'est bon. Je ne suis plus poursuivi, alors attendez. Ben voilà, encore une fois, mais j'avais pas la berlue tout à l'heure. J'ai bien fait tomber de la neige d'une branche. C'est quand même bizarre. Il n'y avait rien dans le trou, je voulais vérifier. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça ressemble à rien. Ouais, ok, alors, pour éviter toute attaque de glace, Serena apprend mes barrières de glace. Sylvando. Sylvando, on va leur faire un décéléro. Voilà, ça marche sur les deux, ça c'est très bien. Je vais mettre un Érupière sous l'obstructeur parce qu'il me fait un peu peur. Voilà. Et elle est où la barrière protectrice de glace là? C'est pas ici? Aptitude. Ah mais je l'ai pas débloqué, je crois, la barrière de glace, quel con! Je crois que je l'ai pas débloqué. Ah, faudra que j'aille voir si je peux la débloquer. Bon alors tant pis. On va faire autre chose. Bah je vais faire la super tornade, même si ça marchera que sur l'un des deux. Parce que ça c'était le... Oh bah il est naze en fait. Ok, super. J'avais complètement oublié ça, pourtant c'est le bon moment là pour la débloquer. Est-ce que ça va marcher? C'est peu probable. Ouais, bah non. Non, non, c'était sûr. Oh, il a l'air résistant, l'ornithorynque, là. On peut le bannir maintenant, peut-être qu'il est faible. Voilà. Who else wants some?
on va essayer de pas réveiller l'ours. Loul. Oh non, putain, je touche l'ours. Oh là là. C'est con. Ouais. Tout à l'heure, j'ai réussi à esquiver un coup. Je crois que c'était hors cam avec Eric. Mais Sylvando doit pas être aussi souple. Ou alors c'était de la chance. Je pense qu'il y a un pourcentage de chance, bien sûr. Peut-être faire une aptitude, hein. Voilà, fais dodo. Endors-toi. Bah, de toute façon, on risque de le réveiller parce qu'il va falloir qu'on frappe quand même. Va falloir qu'on frappe. Donc. Voilà, ça le réveille, évidemment. Bon, c'était pas très utile. Ça lui a quand même fait des dégâts, je pense. Ça, c'est assez puissant. Qu'est-ce que je peux lui faire, moi? La super tornade, hein. Allez, hop. Voilà. On le finit. Ah, il est paralysé, d'accord, il est pas mort. Bon, ça va plus tarder, je pense, hein. Voilà. Le poil roussi. Bon, est-ce qu'on peut reprendre notre monture, là? Oh la vache! On se croirait dans un Metal Gear. Putain, le truc. Snake! This is none of yet! C'est trop ça, quoi. Oh putain. Ouais, il y a quelque chose au-dessus, d'accord. Alors, comment on accède à ce passage? Il doit y avoir un endroit plus loin. Charger? Attends, c'est quoi, charger? Ah, d'accord, je peux pourfendre des ennemis avec ça. Ah, mais peut-être que c'est pour... Attendez, le bloc de glace, là. Est-ce que je peux le détruire? Ah oui, énorme! C'est à ça que ça servait. Ah, c'est cool. Alors, on récupère de la neige. Je sais pas trop à quoi ça sert tout ça, mais c'est... Enfin, c'est sûrement pour du craft. Je suis con. Je vois pas pourquoi je pose la question. Il doit sûrement y avoir autre chose ailleurs. J'ai pas trop envie de me faire les spectres, là. Sont un peu, on les a déjà vus, c'est pas très intéressant. Attendez, là il y a un truc. Minerai miroir. Bien. Alors attendez. C'est énorme ce truc. Je surkiffe. Mais malheureusement, on nous l'enlève. Ah, il y a un garde là. Qu'est-ce qu'il fout ici tout seul? Ouais. Alors, le boss doit être tout à la fin dans le cul-de-sac là-bas. Parce que vous voyez, il y a une statue pour sauvegarder juste avant. Donc là, on est dans un donjon. Enfin, je sais pas combien de temps va durer cet épisode. Il va être assez long, je pense. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est justement la question que je voulais te poser. Qu'est-ce que tu fais ici? Cette forêt est dangereuse. Bah ouais, et qu'est-ce que tu fous tout seul ici, toi? Moi, je suis l'élu de la prophétie, toi, t'es qu'un garde à la con. Ah oui, c'est pour ça? T'es venu trucider la sorcière tout seul? Ça n'a aucun sens, le mec, il est ici tout seul. Bon, on a des archers qui ont l'air un petit peu plus balèzes que la moyenne. On va pas s'attarder sur les mobs, pour la simple et bonne raison que je les connais.
c'est juste des upgrades de mobs plus moins véloces qu'on a déjà vu auparavant. Oh putain, je glisse! Oh merde, le con! Il a pas voulu me lâcher. Attendez, c'était trop bizarre là. On glissait, enfin sur la glace, mais je m'attendais pas à ce qu'on, à ce que le, comment dire, à ce que ça patine. Bon, on va essayer le boomerang. Mais c'est des ennemis de glace, donc ça va rien leur faire. Ouais, je ferais mieux de reprendre les poignards. Faudra que j'utilise le boomerang de glace sur des ennemis de feu quand on ira dans d'autres régions. C'est plus ça qu'il faut faire, je pense. Bon, il y en a au moins un qui est sous confusion. Oh, les bâtards! Ils ont lancé un sort d'anti-magie sur, sur Théo. Putain. May heaven's winds propel thee hence. Bah Théo, il peut rien faire d'autre. Si, je peux faire ça. Alors attendez. Ouais. Ça marche apparemment surtout sur les démons. Je sais pas si c'est considéré comme un démon, la petite chauve-souris, là, je crois pas. Oui, alors... Équipement, on va changer ça. Hein. Non, on va plutôt prendre le brise-sabre. Et comment que c'est déjà l'autre? Non, c'est pas ça. Voilà, c'est celle-là. La lame qui peut tuer en un coup. Pour l'instant, je crois que ça n'a jamais marché. Aptitude. Ou désorienté. On va essayer de persécuter le B là, mais de toute façon il est presque dead. Oh ! Ah oui, d'accord, ça a marché. Ça a marché. Vous avez vu 215 points de dégâts, quoi. C'est l'attaque la plus balèze que j'ai jamais faite. Tu m'étonnes que le machin, de toute façon, il lui restait plus rien, mais ça veut dire que ça marche. Sur les ennemis qui sont qui ont des petites étoiles comme ça, persécuter, ça fonctionne. Donc il faut réussir en fait à faire les bons buffs, des buffs sur les ennemis pour ensuite enchaîner avec une attaque spécifique qui fait beaucoup de dégâts. C'est pas évident, mais c'est très intéressant. Serena, est-ce que je peux... Est-ce que je peux faire en sorte de... Non, il n'y a pas de sort qui ramène les pouvoirs d'un magicien, je crois pas. Bon, allez, on finit le canard. Là. Le canard poilu. Voilà. Bon, bah, Théo... On va essayer. Peut-être qu'il pourra plus nous lancer de glace. C'est pas affecté, bon. D'accord. Voilà. Bon, il était pas bien dur. Hein. Je pensais qu'il allait nous résister encore un peu plus. Vous êtes beaucoup comme ça, vous gelez les miches dans la forêt. Mon escouade a été prise dans une tempête. Ah oui, mais apparemment ils sont plusieurs, d'accord. Je me disais, ça n'avait pas de sens qu'un garde tout seul soit ici, quoi. À chercher la sorcière. Mais en fait, si, il n'est pas tout seul, le mec. Oui, alors la suite, c'est par là, ok. Autant pour moi, le cul-de-sac était derrière. Je comprends rien, moi, à la carte. C'est vraiment bizarrement foutu, en fait.
J'ai du mal avec la mini-map, putain. Il y a des fois, il n'y a pas qu'avec ça que j'ai du mal, j'arrive même pas à parler. Ça glisse. Bon, ça glisse pas des masses, mais ça glisse suffisamment pour vous gêner dans vos déplacements et vous faire... vous faire aggro par un mob. Donc, moi, il n'y a pas 36 chemins. Oh putain, c'est un soldat d'Héliodore, ça. Qu'est-ce qu'il fout ici? On va peut-être avoir un petit souci, là. Est-ce qu'on lui parle? Ouais, c'est un soldat d'Héliodore. Bon, disons qu'on est dans le même camp pour le moment. Ok. Donc je crois qu'on a tout fait. On sauvegarde, on fonce au boss. Ça fait déjà un moment. Ah non, si, on va pouvoir sauvegarder. C'était comme dans l'envers. Ça nous redonne des PM et des PV et on peut sauvegarder. Ça, c'est bien pensé quand même. 22, 21, ici. Alors, il paraît que la sorcière a un espèce de monstre qui garde sa maison. C'est peut-être ça qu'on va affronter. Et après, on va peut-être comprendre que la sorcière, en fait, c'était la reine des neiges, là. Attendez, on est où là? Parce que moi j'ai pas choisi l'alignement là en fait. Ah merde, je peux plus faire l'alignement. Oh putain, le con. Bon, ils vont sûrement nous les remettre pour le combat. Vous allez pas me dire que je vais l'affronter mano à mano. Ou alors peut-être que si. Peut-être que je vais me retrouver seul contre le boss. Bon, il doit pas être bien dur dans ce cas parce que tout seul, j'ai quand même beaucoup de possibilités qui me sont enlevées. Oh putain, Hendrik est là! Il a l'air légèrement en difficulté quand même. You will not keep me from the witch beast! Yield! The Darkspawn, here? Va falloir choisir, mec. On fait équipe ou tu te démerdes tout seul? Putain. How could I be so foolish? Et moi, je regarde sans intervenir. Ah d'accord, je combats seul. Hendrik ne vient même pas m'aider. Enfin, remarque, il me tient pas en très grande estime. Alors attention, là, parce que... On va peut-être commencer par faire de la défense. D'accord, bon, s'il attaque que coup par coup, ça va. Alors, que je réfléchisse. Est-ce que j'aurais pas un petit objet déjà qui pourrait le paralyser? Genre un coagulant. Ah d'accord, super. Il est pas affecté, bon, très bien. Dans ce cas, puisque tu le prends ainsi... Ouais, le problème c'est que moi j'ai pas de sort de buff ou de debuff, hein, donc
J'ai pas mal de soins et d'attaques, mais c'est tout. Torpeur, endort un ennemi. Enfin, je suis sûr que ça va pas marcher, ça. On va essayer. Voilà, bon, il n'y a rien qui va marcher. J'en étais sûr. Donc on va se mettre du soin histoire d'être sûr, même s'il va me refrapper derrière. Je préfère être prudent. Et après on le bourre. Ah voilà, maintenant je suis plus en état hypertonique, putain. Mais c'est nul. Je vais plus pouvoir faire mes combos d'équipe que jouer avec mes personnages, tout ça parce qu'on a affaire à un boss spécial, quoi. Oh. Et je suis pas prêt de le redevenir. Hein. C'est chiant, ouais. Vous préservez vos coups pour, comment dire, pour un combat de boss et en fait, il n'arrive pas. Ou c'est un boss spécial où je suis tout seul, quoi. Mais quelle connerie, putain. Ah, oh, ça me fout la haine. Ah, il augmente ses attaques, d'accord, mais... Bon, j'ai rien d'autre, de toute façon... Non, j'ai rien d'autre. Donc, c'est pas la peine d'essayer de chercher à comprendre. Et mon attaque la plus puissante, c'est le coup près, donc je vais le bourrer à mort, et puis... Voilà, 200 points. Bon, là, on va peut-être se donner... je pense qu'il faut... Oui, il faiblit, mais il faut que je fasse attention. Il va être hypertonique bientôt. L'autre, il me balance des boules de neige, quoi. Est-ce que ça marche bien contre lui? Ouais, pas génial. Non, non, faut que je bourrine au coup près, il n'y a pas de secret. Heureusement qu'il le rate, ça. Hein. D'ailleurs, là, je suis plus en double garde. Hein. Je pourrais peut-être... Oh, ça mériterait de le bourrer, mais... Attendez, je vais pas prendre de risque. Je vais me défendre au cas où. Un peu n'importe quoi, ce mob. Allez, à dégager. Retourne chez ta vieille. Ouais, c'était un boss, c'était un mini boss. You have served your mistress well, but your day is done. Et dis pas merci surtout. L'autre, il arrive juste pour l'achever, quoi. Now it is your turn, Darkspawn. Non mais c'est une blague. You will not escape me this time. Je t'ai sauvé la vie, mec. What is the meaning of this? What a pleasure to finally meet you, Sir Hendrik. Damn you, witch! Is this your doing? Nothing personal, my pretty, but I promised the one who released me that I'd freeze you in your tracks. Elle parle de Mortegor, je suis sûr. What a lovely little trinket. It's just like his. We shall make such a captivating couple. Matching necklaces and all. Identique à la sienne. Donc attendez, si Hendrik a un collier comme ça, là elle parle de Mortegor. Donc si elle dit ce collier, cette babiole, elle est identique à la sienne, quel autre chevalier grand général pourrait avoir une babiole comme celle de Hendrik? Forcément Jasper.
What? Oh, more questions. You so-called heroes are nothing but talk. It's time to put you two on ice forever. Not if I have anything to do with it! Are you all right? T'arrêtes juste à temps. Well now, Sir Hendrik, you'll be in charge of this party of foreign soldiers we heard about. The ones Queen Frisabel sent. Leaving so soon? Sure you don't want to round us up and throw us in jail? Oh, I will. All in good time. Ouais, lui c'est un faux méchant, c'est bien ce que je pensais. Il est juste ultra borné, quoi.